Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur Order and Chaos 2, un jeu mobile, mais un jeu mobile assez particulier puisque c'est un gros jeu mobile avec des graphismes de monstres. Et là on est à la création du personnage, on doit choisir une race humain depuis le déluge. Les humains sont la race étant le mieux répandue dans Aradon. Grâce à leur grande capacité d'adaptation à de nouveaux environnements et leur facilité à se servir de nouvelles technologies. Ok. Mendel, c'est des petits chats, regardez. C'est une espèce de petit chat tout mignon. Oh, il est tout mignon. Ok, on a fait tourner Mendel. On a des elfes. Petite particularité des elfes. Regardez cet elfe masculin. Constatez son efféminité. Constatez l'elfe féminin. Beaucoup moins féminin. Beaucoup moins féminin que l'homme. Regardez, il est complètement féminin, ça n'a aucun sens. Ensuite, on a l'orque. Bon, l'orque, même en femme, c'est masculin. Mais ça, c'est normal. C'est genre, je suis vénère. Attends, vas-y. Je suis vénère. Et on a pour finir le Kraten. Les Kraten sont des reptiliens rusés et féroces. Malgré leur stature imposante, ils préfèrent la diplomatie au combat s'ils peuvent parvenir à leur fin plus efficacement. Alors, un, évidemment, ça, c'est asexué. Hein, même s'il a une grosse queue, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, on ne peut pas choisir. Nous, on va évidemment jouer quelque chose de très masculin. On va jouer une elfe. Une elfe. Ouais, bah oui, on en revient à la même conclusion. Lui est beaucoup plus féminin, donc on est obligé de prendre une femme. Et c'est parti, on choisit maintenant notre classe. On a 5 races pour 5 classes. Alors on a la guerrière. La guerrière à la Dovahkiin. On a la Rangers. On a la mage, qui est extrêmement laide. C'est con, j'aimais bien les mages. Mais toi, t'es complètement dégueulasse. On a la chevalière sanguinaire. Les chevaliers sanguinaires sacrifient leur propre santé pour utiliser leurs compétences spéciales. Ils ont juré d'éliminer les démons et ils utilisent les pouvoirs des démons qu'ils chassent pour exterminer leur proie. Et en dernier, le moine. Non. Alors, j'hésite, s'il te plaît. J'hésite entre la guerrière. Les guerriers sont de redoutables guerriers au corps à corps. Vous vous foutez de ma gueule? Passons, on fait comme si c'était normal. La bataille ne fait qu'augmenter leur rage, qui alimente leurs compétences les plus brutales. Bon, l'aspect de bonassitude est plus important sur cette classe-là, donc on va choisir cette classe-là, évidemment. Mais elle a moins de stuff. Tête. Bonjour. Je veux être blonde et innocente. Queue de cheval. Au naturel. Par défaut. Par défaut, c'était bien. Ok, suivant. On avait quoi? On avait... expression. Écume de mer. Rosé sur herbe. Par défaut. Oh non, rosé sur herbe, c'était bien. Ça faisait un peu prostituée des pays de l'Est, j'aime bien. Et les ailes, plus long. Le plus long. Bon, je pense que... regardez, on peut voler. Je vole. Je vole. Je m'envole. Je me calme. Je me calme. On va garder les oreilles en plus long. Par défaut, c'était un peu petit. Voilà, comme ça, si on nous attaque, on nous parle un coup d'oreille. Et on peut choisir sa couleur de peau. Excuse-moi, je peux zoomer sur ta couleur de peau, sinon ça n'a aucun sens. Ça va. Ça, c'est cool. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Elle était charmante. Eh, mademoiselle, t'es charmante. Et tu dois rentrer un nom... Boobs. Voilà, très bien. Unster Boobs, créé. Débarcadère des matelots. Donc c'est en multijoueur évidemment. On va démarrer sur le débarcadère des matelots parce que l'autre ça avait l'air sombre, ça avait l'air obscur. Je n'avais pas envie de ça. Et on est parti. Chargement. Ladies and gentlemen. Et voilà, plage ensoleillée, donc je sais déjà jouer évidemment. J'y ai déjà joué. Ne vous en faites pas, et on doit aller parler au capitaine Spencer. Il était temps que tu arrives. Tu vois ces choses, on dirait qu'elles ont réussi à se faufiler dans les caisses, échouées sur le rivage. Et maintenant, regarde. Oh, par l'architecte. Ok, regarde ça. Je regarde juste que le mec il fait genre il est beau gosse alors qu'il a le nez le plus chelou de l'histoire de la Terre. Il me saoule. Aidez Spencer à détruire les boîtes. Ces caisses sont pleines d'un truc bleu. Puisque t'as lancé l'alerte trop tard, je te laisse l'honneur de t'en débarrasser. Prends cette torche et brûle un maximum de boîtes. Et fais attention à ce truc, ça te boufferait jusqu'à l'os. Il y a un mec qui est en train de faire des saltos. Bonjour, je fous le feu à ce truc. Donc là, c'est la première quête. Donc c'est facile. Hop là, on atteint celle-ci. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se battre contre moi? Non, ils ont pas l'air de m'agresser.
Bonjour. Donc là, évidemment, le sort n'est pas prêt, mais c'est Tara qui est pas prête. On peut tourner hein, la caméra et je trouve que ça déboîte. Quoi. Je joue là, je joue sur iPad. C'est disponible évidemment. Oh pardon, excuse-moi. Excuse-moi. C'est disponible sur sur Android aussi. Je vous mettrai de façon un lien dans la description. Hop. Oh, une étoile de mer. C'est Patrick. Patrick l'étoile de mer. Ok, on est bon. Ah ouais, ça c'est ton pseudo mec. Ok très bien. Sans aucune putain de pression. Et on parle à Spencer. Salut, beau travail. J'espère qu'on s'est débarrassé de ce que c'était. Le mec est trop chelou. Le mec on dirait qu'il cache des trucs. On dirait qu'il y a une vraie embrouille derrière ça. Oh pardon, j'ai oublié de dire ok. Ok. Enquête sur Rose, la fille disparue. Eh bien, on dirait qu'on a mis un terme à ce problème. Mais ce n'est pas... Mais ça ne va pas te reposer sur tes... Mais ne va pas te reposer sur tes lauriers trop vite. La jeune Rose a disparu, apparemment. Sa tante Maria a toujours été un peu paranoïaque et ultra protectrice. Rose rendrait la vie plus facile à tout le monde si elle ne faisait pas... si elle ne passait pas son temps avec les matelots. Enfin, je dis ça, je dis rien. Bon, j'en ai marre... cette voix me saoule. Marzia a beaucoup... Maria... Pourquoi je mets... Comme ça, je suis obligé de mettre un Z. Maria a beaucoup insisté. Je suis allé voir chez Rose, mais je n'ai rien trouvé. Je vais continuer à chercher. Je vais continuer de chercher. On dit fils de pute, pas fils à pute. Va voir Maria. Elle est près de l'entrée de la ville. Alors, normalement, évidemment, cliquez sur l'icône en surbrillance pour afficher la carte de l'aventure. Carte de l'aventure. Des informations supplémentaires sur ton aventure, comme les lieux importants, sont affichés sur ta carte. Les gens, les différentes icônes de la carte et leur signification sont représentées ici. Très bien. On doit aller... Carte du monde. Ok. Peut-être qu'il faut que je zoome beaucoup plus. Ah non, c'est ce truc. C'est ici où je dois aller? Je ne sais pas. Ah mais non, mais c'est bon, il y a le tracé. On s'en fout, il y a le tracé. On s'en fout clairement, il y a le tracé. Donc ouais, on a la gauche de l'écran, là où vous voyez mon doigt se balader. Là, je peux faire... pour me déplacer. Et de l'autre côté, je fais tourner ma caméra. Ah, ça se voit pas, tiens. Tiens, ça se voit pas, c'est étrange. Je fais tourner ma caméra de l'autre côté. Merde, j'ai oublié de regarder les traces vu que j'étais concentré sur le truc. C'est elle. C'est vous, mademoiselle? Dieu merci, tu es là. Rose? Tu n'es... Bah non, je suis pas Rose. Je suis pas Rose, donc déjà, tu reconnais pas ta fille. Et en plus, t'es la seule personne au monde qui cherche la fille avec ce décolleté. Ça n'a pas de sens. Non, mais j'ai entendu dire que tu pensais qu'elle avait disparu. Parce que je suis assez viril pour une elfette. Je ne pense pas qu'elle ait disparu. Elle a disparu. Ce sont ses marins, elle traîne avec eux. Mais c'est une bonne fille, vraiment. Elle rentre toujours à la maison à la nuit tombée. Je trouverai votre nièce. Ok, parlez à John. Qui est ce John? Et que veut-il de moi? Peut-être qu'elle me l'a dit, hein, mais... Bah écoutez, j'ai pas écouté. On peut sauter aussi, mais t'as vite l'air très con si tu passes ton temps à sauter comme ça. Voilà. La cucaracha, salut, John. Salut. J'ai une heure de détente. Une heure, c'est mon heure. Tu dois être plus dense... Tu dois être plus dense que du phosphore jaune. Est-ce que... On va faire un sondage, mademoiselle. Qui est-ce qui s'est déjà fait draguer comme ça? Tu dois être plus dense que du face-face jaune. Les gens ne comprennent plus rien. Tu ne vois que je suis. Tu ne vois pas que je suis occupé à me détendre. Personne ne drague comme ça, ça n'a pas de sens. Je cherche Rose. Et je n'ai pas le temps de parler de fleurs. Pire punchline de l'univers de la vie. Même le mec à côté là qui vient de passer en PLS, il galérait. Je cherche une personne nommée Rose. Ah, cette Rose. C'est une fleur, c'est vrai. Ouais, je pourrais savoir quelque chose à son sujet. Je vais te dire, mon équipage rechigne à la tâche. Ils disent qu'ils sont malades. Alors qu'il est évident qu'ils ont juste passé trop de temps à la taverne. Ouais, on s'en fout. On va aller taper des gens. Remets les idées du matelot. Ok. Dis comme ça, j'y vais en sautant. Ah bah non. Excusez-moi. Parfait. Il est où ce bâtard? J'ai perdu le tracé GPS. Et lui, il est complètement con. Ah, non, c'est bon, on a un truc. Voilà, c'est lui. Salut, salaud. Non, mais... Il se fout de ma gueule. Il se fout complètement de ma gueule. Il était là et il a disparu pour re-être là après. Salaud. Tu es nain, salaud. Tu es les nains. Tu te fais tuer par une femme parce que t'es faible vu que t'es un nain. Bim. Je suis une tornade. Oh, il y a un coffre.
La salle du trésor de Nick est un endroit blablabla blablabla. Bla bla bla, je m'en fous. Je m'en fous. Il y a écrit gratuit. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh mon dieu, un rouleau de culasse de chevalier dragon. Je sais pas. Je ne sais pas, je n'en ai aucune idée. Non merci. Ok. Convaincre le matelot Milt de revenir. De rev quelque chose quoi. Pas forcément revenir, hein, ça peut être plein de trucs en rev. Ah, on va le tabasser en fait. Ah oui, convainc entre guillemets, j'avais pas fait gaffe. Mais on doit le convaincre de quoi? Persuade le matelot Argo, ta mère. Ah ouais, on l'est. Ah ouais, non mais. Mais on est la pire des ordures. Non mais il va se re-téléporter ici. Ne nous prenons pas la tête. Apparaît devant moi. Oh, il y a quoi là-dedans? Entreposage. Sert à entreposer et à récupérer tes machins, machins, machins. Sert à fabriquer une cuirasse de chevalier dragon, lieu de dragon légendaire. Ok, ça a l'air hype en vrai ce que j'ai récupéré. Hein. Ok, est-ce qu'il est là maintenant le monsieur? Oui, il est là. Bonjour monsieur, vous êtes de plus en plus gros. Mais vous êtes un orc? Putain, mais graphiquement, regardez la gueule de cet orc quoi. Regardez, je zoome un peu sur lui. On peut évidemment jouer à la première personne. Et pouf, je peux dézoomer comme ça de manière assez stylée. Mais c'est assez ouf. Je pensais pas que c'était possible de faire un jeu mobile aussi beau. N'hésitez vraiment pas d'ailleurs si vous avez des jeux mobiles auxquels vous jouez pas mal, pas forcément beau mais juste cool, à me les donner dans les commentaires parce que je pense que je vais faire de plus en plus de jeux mobiles. Parce que ça m'éclate tout simplement et que c'est fun. Nouvelles compétences, de nouvelles compétences peuvent être apprises. Tu retrouveras plus d'informations dans le gestionnaire de compétences. Va dans ton gestionnaire de compétences pour apprendre de nouvelles compétences. Choisis des inscriptions et ajuste tes emplacements de compétences. Sélectionne une nouvelle compétence à apprendre. D'accord. Touchez ici pour l'apprendre. D'accord. Touchez ici pour confirmer que tu veux l'apprendre. D'accord. Félicitations, tu as appris une nouvelle compétence. Tu peux toucher ici pour ouvrir ta besace. Maintiens la nouvelle compétence pour la glisser sur un des emplacements du sac pour l'utiliser en combat. Ok. Ok, ok. Et on peut fermer. Et à chaque fois, il veut me faire vendre des packs de runes. Il se fout de ma gueule. Je dois cliquer sur le mauvais truc à chaque fois aussi. Parler à Tyler Jr. Bah ça c'est John. Il est où ce Tyler? Il est où ce Tyler? Il est où? C'est lui? Non. Que dalle. Ah bah il est là Tyler. J'arrive Tyler. J'arrive, je vole. Le port du marin. Salut. Ah non pardon, c'est lui. Excusez-moi, j'ai la tête dans l'arbre. Bonjour Tyler. Halt là, déclinez votre identité. Oh, tu es garde aussi. Salutations. Je peux te regarder un peu mieux parce que pourquoi t'as des cheveux bleus et une coupe de cheveux du swag? Ça n'a aucun sens. Ok. See you later. Ok. Apparent. Liste des quêtes, apparence douteuse et tu es viré. Tu es viré. Salut, j'accepte des quêtes. Élimine les présumés voyous. Ok, j'y vais. Je suis quelqu'un de pas trop compliqué. Je lis même plus les quêtes tellement je suis pas compliqué. Tu te rends compte la non-complexité du type? Oh mon dieu. Oh mon dieu. Salut les gars. Je vais vous déboîter. Bonjour, je viens de tabasser la gueule. Alors, à quoi ça sert ce truc? Parce que j'ai pas lu en vrai. Je suis une fusée! Ah non, mais lui c'était une vraie personne qui a essayé de me voler un kill. Ok, il faut que je touche le deuxième. Bim! 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 Attendez, on va tous les buter. Attrapez-les tous, attrapez-les tous! Je fais des sauts, je fais des sauts, je fais des sauts! Je fais des sauts et je continue de te battre en même temps. Oh! Voilà. Très bien. Et on tabasse lui. Voilà, comme ça. Non, non. Ok, ok, ok. Marche arrière, boogie style. Et je vais le tabasser. Je vais le tabasser, le mec est vénère. Boum, spec, boum, tourniquet. Boum, on retabasse. Boum, tourniquet, boum, quête terminée. Prendre le butin en cliquant sur cette icône-là, ma gueule. Je crois que j'ai pas appuyé sur le bon truc. Si. Récupérer. Ok. Récupérer. Ok. Laissez-moi tranquille maintenant. Je récupère des trucs et tout, mais... Rediriger. Hein, j'ai fait quoi? Ok, ok. Parler à lui.
Donc évidemment, dès qu'on clique sur la quête, on a le tracking qui nous permet... Merde. Hop là. Qui nous permet de gagner du temps. Là, on saute et on continue. Pouf, pouf, pouf. Et on va parler au jeune homme ici présent. Salut, Tyler. Pouf. Niveau supérieur. Ça veut dire que j'ai gagné un point ? Débloqué au niveau 5. Ah, j'ai pas encore le niveau pour débloquer ce truc, d'accord. Laissez-moi tranquille avec vos packs de runes. Faut que j'arrête de cliquer sur ce bouton-là. Et laisse-moi tranquille. Voilà, et on a l'autre quête. N'oublie pas de rapporter le minerai bleu. Voilà, c'est l'autre quête. Récupérer le minerai bleu. On va chercher le minerai bleu. C'est parti. Le minerai bleu est notre quête. On va chercher... C'est quoi? Sacle, trouver des les engrenages. Oh, cool. Non, non, je m'en fous de mon... Enfin, je... à la foutre. Ah, d'accord, ce truc-là auquel on foutait le feu, maintenant, on veut récupérer ce qu'il y a dedans. On est un putain de génie. On est les plus gros génies du siècle. Excusez-moi, excusez-moi. Merci bien. Continuons. Boum. Et pendant ce temps, on clique là-dessus. Parce qu'on s'en fout. Voilà. Et le jeu est content. Très bien. On repart à la maison. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est d'autres quêtes. D'accord, c'est d'autres quêtes. Il y a juste plein de quêtes. C'est un même RPG. On peut gérer machin. Il y a plein de... Il y a un système de craft qui est assez poussé. D'ailleurs, si vous voulez d'autres épisodes, les amis, n'hésitez vraiment pas à me le faire savoir. Je pense que je vais essayer de faire en sorte de tester pas mal de jeux, etc. Mais si par exemple vous avez un petit coup de cœur là-dessus, vous aimez beaucoup le jeu, machin, bah n'hésitez pas, parce que moi ça me dérangera pas de refaire des vidéos dessus ou je ne sais quoi. Hein. Pouf. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Ok. Oh là là. Ok. On doit aller faire quoi? Va au cottage à l'extérieur de la ville. Au cottage. On dit cottage. Chez nous, on dit cottage. C'est par là, mais... On va récupérer des engrenages. Je sais pas pourquoi j'ai besoin d'engrenages, mais j'en ai besoin. Donc, par sécurité, je continue d'en prendre. Qu'est-ce que c'est que cette notification? Récupérer. C'était... J'allais dire... je meurs! Merci. J'allais dire c'était cool, mais j'ai pas compris ce que j'ai fait. J'ai absolument pas compris ce que j'ai fait, donc je ne peux pas dire si c'était cool ou pas. Oui, donc pour en revenir où j'étais, c'est vraiment, vraiment simple à prendre en main. C'est assez cool. C'est clairement cool. Oh, un obèse de compagnie. Je ne veux pas manger, petit homme. Oh, ferme-la, balourd. Oh, il est trop mignon, le petit gros. Il est trop mignon, il est trop mignon, il est trop mignon. Enfin, je suis viril aussi des fois. Hein. Pas là, parce que bah là, j'ai pas le temps. Mais... Enfin bref. Débarcadère des matelots. Bonjour, mademoiselle. T'es si la timide. D'accord. Salut, mademoiselle. Tu veux qu'on se parle? Je pourrais être ta Max. Tu pourrais être ma Chloé. Tu vois ce que je veux dire? Je parle à tout le monde sans lire les messages. Mais c'est cool, après je peux regarder la vidéo et mettre pause pour comprendre ce qui s'est passé. Les loups, tu les tous, mais qu'est-ce qui se passe? Très bien, ok, je m'en charge. Cueille des fleurs. Ah oui, non mais je fais pas les mêmes quêtes tout le temps dans le même ordre. Et donc ça donne des trucs, voilà, on va aider Annabelle à éliminer les bêtes. Parce que sinon je comprends plus rien à ce que je fais. Et ma foi, ça ne m'arrange pas. Bonjour les bêtes. Je sais pas combien elle veut que j'en tue d'ailleurs. Où ils sont niveau 4, où je vais galérer pour cette quête. Ah, quoique, ils font pas mal. Ils font pas mal du tout. On a ma barre de vie, hein, vous la voyez. Ça, c'est un autre loup, mais un loup gentil, genre. Ah, et on récupère les fleurs de lys en même temps. Vous voyez à quel point on peut tout faire. Ah, il y a des gentils et des méchants loups, en fait. Mais oui, j'aurais dû m'en douter. Bonjour. Bonjour, je te tabasse ta gueule. Bonjour. Très bien. Quête rapide. Il faut que je finisse de tuer tous les loups pour aider Annabelle. Oui, il y a une espèce de coffre à côté d'une fleur. J'ai besoin d'une fleur et
Ah non, il n'y a pas d'espèce de coffre, je viens d'avoir la pire illusion d'optique du monde à cause de l'icône coffre en haut de l'écran. Ma vie est nulle, ma vie est bof, ma vie est pas terrible. Hop là. Mais on va devoir tous les tuer. Il est mort? Je suis pas sûr. Oui, il est mort. J'ai douté. Hein. Bonjour. Je vous éclate la gueule. Il va falloir tuer plein de loups, les amis. C'est l'amour de ma vie. Et vous savez quoi? Je vais le faire de mon côté. Et je vais vous dire à la prochaine pour un prochain épisode, une prochaine vidéo. Si vous voulez plus de vidéos sur Order and Chaos 2, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez des vidéos sur tel ou tel jeu, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez tester le jeu, le lien sont dans la description. Et on se laisse et on se dit à la prochaine pour un prochain épisode. On va se faire un petit plaisir. Hop là, voilà. Petit plan boobs. Ou non, petit plan... Oh, petit plan boobs, FH. Voilà, très bien. Parfait les amis, c'est là-dessus qu'on va se laisser se dire à la prochaine. C'était Hamster Bleacher. Oh yeah! Allez!